bonjour. 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 C'est Solidaire d'abord. Alors, vous aurez bien sûr, à la fin de l'émission, le quiz, la suite du quiz de Denis. Hein. Mais aujourd'hui, on fait une émission particulière sur le chômage et l'historique du chômage. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a un projet de réforme qui arrive à l'Assemblée nationale sur le chômage. Mais alors, pourquoi en ce moment, le chômage est en... Il y a un problème ? Il y a beaucoup de chômeurs ou pas ? Parce que d'habitude, quand il y a une réforme sur le chômage, c'est parce que y a plus de chômeurs, parce que les comptes sont en rouge, parce que, etc. Il nous explique ça à chaque fois. Oui, mais il ne faut pas confondre chômeur et sans emploi. Ah, oui. Oui. Mais là, en ce moment, on va vers le plein emploi, nous explique la Macronie, là, non ? Plein emploi pas... de précaires ? Oui, alors peut-être, mais enfin, on va vers le plein emploi. Alors pourquoi aujourd'hui, ils veulent nous faire une réforme du chômage ? Eh bien, tu en parlais un petit peu, Alain, quand on préparait, mais ça a certainement à voir avec la façon dont ils font des vases communicants entre les différents comptes, hein, puisque... Oui, sans doute. Sans doute, c'est vrai qu'il n'y a pas de... disons, il ne semble pas qu'il y ait en tous les cas des urgences, disons, à se pencher. Moi, j'ai plus travaillé sur le projet retraite, hein, enfin, réforme retraite. Mais je crois que le chômage, c'est pareil. Hein. C'est plus pour équilibrer des comptes. C'est plutôt, disons, des soucis d'équilibre financier qui arrange Macron, hein, ouais. Par rapport à des cadeaux qu'il a fait aux grandes entreprises sur un plan fiscal. C'est plus pour équilibrer que par rapport, disons, à une nécessité. Oui, mais ce n'est pas les comptes du chômage qui veut équilibrer, c'est les comptes de l'État. C'est les comptes de l'État, tout à fait. Et pourtant, les caisses de chômage, ce n'est pas des caisses d'État au départ. Hein. Alors, le chômage, tenez-vous bien, vous ne saviez peut-être pas, moi non plus, hein, je vous avoue, je suis allé chercher, je suis allé gratter, et le chômage, en fait, même dans la Grèce antique, il y a des références sur le fait qu'il y avait du chômage. Et donc, il y a un chercheur qui s'appelle Georges Lefranc, qui est donc un historien, qui explique ça, que déjà dans la Grèce antique, on pouvait se retrouver avec des populations qui ne travaillaient pas. Et à Rome, 150 000, je ne savais pas que c'était à ce point-là, il y avait 150 000 personnes qui étaient prises en charge, chômeurs perpétuels, et installés dans le chômage, ils perçoivent chaque mois les vivres distribués par l'État. Ouais, c'est surprenant quand même comme truc. Donc cette histoire du chômage, au Moyen-Âge, on compte à peu près 2 millions de personnes, surtout des gens qui sont agriculteurs ou dans le monde agricole. Mais c'est vrai que la France, en tout cas à cette époque-là, était à 80%, voire 90% agricole. En 1848, ils en arrivent à compter jusqu'à peut-être 7 millions de pauvres qui n'ont pas de travail. Donc voilà, c'est énorme, hein. 7 millions, tu te rends compte ? Et donc ils percevaient déjà une indemnité ? Non. Alors, par contre, ils pouvaient commencer à essayer de s'organiser. Donc au moment du roi, avant la révolution de 1789, ils commencent à s'organiser, ils commencent à se fédérer, ils commencent à avoir des caisses de soutien, des choses comme ça. Et en fait, au moment de la révolution, 1791, juste un peu après, il y a une loi qui s'appelle la loi Le Chapelier, qui suit un décret d'Allarde. Et en fait, cette loi de Le Chapelier, c'est pour empêcher les corporatismes. Donc lui, il va mettre en place cette loi qui va permettre, tenez-vous bien, moi je me suis accroché au rideau quand j'ai lu ça, qui va permettre plus de liberté pour le commerce, pour l'industrie, liberté d'entreprendre, liberté de concurrence. On y retrouve presque des... C'est assez énorme quand même, comme truc. On y retrouve presque des arguments d'aujourd'hui. Ben ouais, voilà. Et alors, ce brave monsieur Le Chapelier qui fait cette loi-là pour empêcher les corporatismes, c'est-à-dire pour empêcher les ouvriers de s'organiser, pour en fait les mettre pieds et poings liés, tu vois, c'est une révolution bourgeoise quand même, hein, 1789. Donc il se retrouve, voilà, obligé d'accepter les boulots sans avoir de pare-feu, quoi, en fait. Hein. Et ben, ce brave monsieur Le Chapelier, c'était quand même un député qui était royaliste, et donc on va lui couper le cou en 1784.
94, pardon. 94. Pour un chapelier, c'est bien. Coupe la tête d'un chapelier, alors. Mais on lui coupe la tête à ce chapelier, mais il n'empêche que sa loi, elle continue. On va dire chapeau. Ouais, chapeau. Sa loi, elle continue jusqu'en 1864, sous Napoléon III. Tu te rends compte? Et c'est en 1864 que Napoléon III s'émeut sur le fait que, bah, quand même, les ouvriers pourraient un petit peu s'organiser, avoir des caisses. Napoléon III, c'était pas un grand réformateur. Hein. Oui, c'est hallucinant quand même, le total. Hein. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il recommence à y avoir un peu le droit de grève, voilà, les syndicats, etc. Enfin, tout ça pour nous rapprocher de maintenant. Et en fait, vous allez voir où je veux en venir, c'est cette historique de cette histoire du chômage. En Europe, entre 1910 et 1930, pratiquement tous les pays européens ont des caisses de chômage, pour certaines, obligatoires. Par exemple, en Grande-Bretagne, ça existe depuis 1911. En 1919, en Italie, en 1920, en Autriche. La plupart des États européens en 1930, sauf en France. En France, eh ben, en 1951, on n'a pas encore obligation de création de caisses de chômage. Tu te rends compte, voilà, c'est fou comme truc. Et en 1956, De Gaulle va signer le traité de Rome, c'est-à-dire que c'est le départ de l'Union européenne, hein, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, je me souviens plus, vraiment, hein, les six premiers pays. Et il se trouve que tous les autres pays, ils ont déjà des caisses de chômage, quoi. Et nous, on n'en a pas. Donc on a l'air de gros cons, de gros bœufs, comme... Enfin, bon, oh, déjà, de lumière, oh. C'est déjà arrivé. Mais parfois, voilà. Les lumières sont éteintes. Et donc, dans la recherche de solutions aptes à concilier deux préoccupations contradictoires, un régime d'allocation chômage à un niveau élevé pourrait arriver pendant une période de réadaptation professionnelle. Parce que, voilà, en 1950, on commence à être dans une industrialisation qui avance beaucoup. Et donc, préoccupation, il faut que les gens puissent... On est juste après-guerre. Donc, évidemment, il y avait une grosse poussée pour l'agriculture, pour nourrir les peuples. Il y avait tout à reconstruire, et c'est là que le bâtiment, les barrages, tout ça, c'était le gros boom de l'industrie. Là. Voilà. Et donc, il faut que les gens ils puissent muter. Tu vois, c'est-à-dire que les gens, suivant les emplois qu'ils avaient, ben, en fait, il faut qu'ils puissent s'adapter, quoi. Oui, mais c'est toujours l'actualité. Bien sûr. Ça. Et donc, cette aide du chômage, elle est là pour permettre la transition. Tu vois, donc c'est comme ça qu'ils le conçoivent. La France est entrée depuis plusieurs années dans une période d'industrialisation qui s'accompagne d'une évolution technique particulièrement rapide. Donc voilà, pour tous ces motifs, le progrès économique peut exiger dans l'avenir des mutations d'emploi pour plus nombreux que dans le passé. Par ailleurs, de nombreux économistes, alors là c'est encore autre chose, considéraient que le fait de garantir aux futurs chômeurs un niveau minimum de ressources, non seulement permettait d'enrayer une chute de la consommation, mais favorisait aussi la relance de l'économie. Tu vois ? Donc voilà, tout ça fait que, à un moment, ta-ta-ta, De Gaulle va nous faire... Alors, il nous explique, quand tu n'es pas averti, que tu rentres dans le truc, pour savoir d'où viennent les premières allocations chômage, on t'explique que c'est De Gaulle qui, de sa grande initiative, de ses grandes largeurs, de ses grandes largesses, etc., a créé ça. Pas du tout. En fait, c'est tout ça qui est à l'œuvre. Et en même temps, donc, d'autre part, pardon, donc, on s'est retrouvé, il a signé pour le traité de Rome, et à un moment, en 55, 56, 57, 58, on rentre dans une période avec un truc pas net, parce qu'il y a une récession. Et donc, pour faire accepter le fait qu'on se retrouve dans une politique d'austérité, eh ben, je te donne ça, tu me donnes ça, politique d'austérité, allez, je fais une grande déclaration pour la création d'une aide aux gens qui sont dans une grande pauvreté. Voilà. Et donc, en fait, il crée le chômage, les allocations chômage,
UNEDIC et ACEDIC qui vont être créés en 1958 à la suite d'un discours de De Gaulle qui, en gros, il pourrait survenir chez nous un début de récession à laquelle le gouvernement devrait devoir parer. Alors évidemment, il crée un fonds de salaire garanti. Et donc grâce à ça, les syndicats, MEDEF, etc., il y a un truc paritaire qui se met en place, l'UNEDIC. Et là, il va y avoir d'une part le MEDEF, tous les patronats, le patronat, et puis les syndicats qui vont gérer cette UNEDIC qui, elle-même, est en lien avec les ACEDIC, c'est-à-dire les caisses dans lesquelles on va pouvoir cotiser pour pouvoir avoir une aide en cas de gros problèmes. Tout ça avec aussi des cotisations patronales. Mmh. Voilà. Je vous ai saoulé peut-être un petit peu. Non. Mais vous n'avez pas beaucoup causé. Non, pas du tout. On écoute. Hein, c'est l'histoire. Mais tout à l'heure, vous causiez deux fois plus quand on était en train de préparer. On est de bons élèves, on écoute. On est professeurs. Voilà. Tu me bouffes. Non, mais bon, c'est l'histoire. Donc, il ouais. N'y a pas trop à... disons à contester, hein. Ouais. C'est l'histoire, c'est le vécu, disons, de notre humanité, des organisations, et après de l'organisation de la France. Ouais. Donc, et des luttes. Parce qu'on ne peut pas croire que De Gaulle a lâché comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Rien n'a pas lâché comme ça. Parce que... Tous les avantages qu'ont réussi à avoir les ouvriers, les employés, quoi, enfin les salariés, ont toujours été gagnés dans la lutte. Hein. Et les luttes âpres et difficiles. Tout ce qu'on a est perd malheureusement, qu'on voit partir les uns après les autres. Hein. Donc il faut lutter. Et c'est peut-être ce qu'on peut dire après ton intervention, mais je crois que tu n'as pas tout à fait terminé. Non, je n'ai pas fini. Il y a d'autres choses à dire. Ouais. Mais la lutte. Il ne faut jamais oublier qu'il faut lutter par rapport à nos acquis. C'est qu'un rapport de force. Tout est un rapport de force. Ouais. Et donc, 1958, création de l'UNEDIC, administration, qui est l'administrateur, le gestionnaire des ACEDIC, hein, des caisses d'ACEDIC, etc. Bon, voilà. Et en même temps, elle a une autre... D'autre part, pardon, elle a une autre mission, c'est... la reconversion de secteurs industriels en déclin, c'est un petit peu le constat qui avait été fait, hein. Et autre mission, favoriser le retrait des salariés âgés et faciliter l'embauche des jeunes vers des secteurs porteurs. Tout ça, c'est les missions de l'UNEDIC en 58. Donc voilà, ça va plus loin que juste une caisse de solidarisation. Le financement, la caisse est gérée, on l'a dit, par les syndicats, de façon paritaire. Et en 1967, donc 10 ans plus tard, est créée la NPE. Donc, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire, c'est compliqué, hein, le total. UNEDIC, ACEDIC, donc les caisses d'ACEDIC, c'est des caisses régionales. L'UNEDIC, c'est une gestion de tout ça. De façon paritaire avec ce qu'on a vu, les syndicats. Et puis la NPE est créée. Après, c'est même Chirac, qui était ministre du Travail de Pompidou, qui crée ça en 1967. Et là, ça centralise les offres et les demandes d'emploi. C'est pour recevoir les choses. Ouais. C'est un lieu d'accueil. Oui, mais en même temps, c'est un lieu de dossier. Quoi. Enfin, d'autre part, là, c'est un truc de l'État. Et on commence à avoir tout doucement l'apparition de cet organisme ANPE dans le paysage du chômage, qui va petit à petit prendre de l'importance. Et au départ, alors que c'était des caisses de mutualisation du pognon des ouvriers... Hein, une organisation d'un collectif. Voilà, d'un collectif. Petit à petit, l'État va rentrer à l'intérieur de tout ça et va petit à petit prendre la main. Et c'est ce qui permet à l'État aujourd'hui de dire « on va faire une réforme des allocations chômage », alors qu'au départ, c'est pas leur truc. Puisque c'est une caisse de mutualisation des ouvriers, il n'a rien à voir là-dedans, au niveau même du pognon. Tu vois.
Et donc on sent bien que tout doucement, ils vont arriver à mettre la main sur, sur la gestion de tout ça. Et, et quelque part, c'est un vol. Hein. C'est un détournement de caisses qui ne servait pas à l'État. Quoi. Voilà, alors toute cette historique de ce détournement, bah, en 1982, déjà la CGT, donc le PC, hein, parce qu'en 1982, CGT et PC étaient très 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 proches, hein, parle d'une situation grave, parce que jusque-là, on avait 90% du salaire qui était reversé en situation de chômage, et que là, d'un seul coup, c'est l'État qui impose la baisse de 90%, donc c'est du salaire, tu vois, t'as plus 90% d'indemnisation. Et là, l'État commence à rentrer à l'intérieur de la gestion de ces allocations. Et toute l'histoire, alors bon, je vais pas le faire peut-être parce que vous causez pas, parce qu'il y a que moi qui ai les dates en main, mais donc 82, 84, etc. Alors, après, t'as la création du RMI, donc en fait, toutes ces allocations, etc., elles ont une histoire. Les gens se sont battus pour les avoir. Et là, excusez-moi, vous avez peut-être compris que je faisais un peu référence aussi à Roussel, au passage, hein, dans l'histoire. C'est-à-dire que moi, je trouve ça abscon, ce qui s'est permis de dire. Tu vois. C'était les années Mitterrand, 80. Oui. Donc voilà, c'était Mitterrand, soi-disant socialiste. Quoi. Oui. Il a été socialiste pendant un an et demi, quoi. Et après, c'est parti, un sujet complet. Ah oui, il nous a expliqué même qu'on ne pouvait être que contre le capitalisme. Oui, oui. Tu te rends compte, avant d'être élu, il nous avait expliqué ça, quand même. Oui, donc voilà, tout ça s'est passé sous un gouvernement, disons, de gauche. Et puis on a eu des années aussi, je pense à 73, qui était le premier choc pétrolier. Oui. Et à partir 74, de là, c'est devenu 73-74, hein, c'est devenu des années difficiles après au niveau de l'emploi. Hein. Voilà, avant, il y a eu la première lutte, c'est libre, hein, vous pouvez vous en souvenir. Hein. Et après, ben, ma foi, ça s'est malheureusement généralisé. Hein. Et nous, en Ardèche, on a eu, disons, après VIP, on a eu les grands mouvements d'étannerie et des mégisseries sur Annonay, hein, qui avaient été dramatiques. Et puis ça s'est amplifié, ça s'est banalisé. Hein, ça a été le courant, disons, du capitalisme qui, à la fois, faisait travailler sur des terres, d'autres terres, hein, que la France ou que l'Europe. Quoi. Oui, oui, oui. C'est... Donc le chômage... Ils ont externalisé. Ils ont externalisé, voilà. Mm-hmm. Hein, pour aller faire travailler des gosses, hein, ou sont en Chine, hein, puisqu'il y a 6 millions de gosses quand même qui bossent en Chine. Ça ne doit pas nous échapper. Hein, tout ce qu'on achète, nos fringues, tout, c'est les petits qui le font. Hein. Donc tout ça, c'est quand même le fruit du capitalisme. Hein, c'est... Oh, puis avec l'arrêté Bosman qui a autorisé la libre circulation des gens en Europe, alors on se retrouve avec des Polonais et compagnie, bon, on ne veut pas se montrer les Polonais du doigt, avec des travailleurs, voilà, prix, et voilà, c'est sous-traité, sous-traité, ça n'en finit plus, et évidemment, après, ben, c'est tiré vers le bas, les salaires. Et, c'est créer en Europe une propre concurrence entre les pays. Voilà, oui, qui n'ont pas la même législation, qui n'ont pas les mêmes coûts, qui n'ont pas les mêmes... Enfin, bon, là, donc on a créé des tensions entre ouvriers. Une concurrence entre ouvriers. Alors qu'il y a, ça passe sur même pays d'égalité, du tout. Donc voilà, on a fait du chômage avec la libre circulation en Europe des salariés. Il me reste une toute petite minute, alors je reviens vite fait à mon truc. Borloo-Sarkozy, en 2006, crée fusion d'ANPE et des ACEDIC pour créer Pôle emploi. Et puis après, petit à petit, ça se délite et on se retrouve jusqu'à cette réforme qui s'est faite en 2019, quand même, où là, c'est ahurissant quand même, hein, réforme du chômage donc en 2019, c'est-à-dire le même Macron nous a déjà fait une réforme dans le genre, hein. Alors à l'époque c'était Édouard Philippe et Pénicaud, Muriel Pénicaud, qui en fait enlevait des droits déjà... énormément de droits au chômage, hein. Et elle pouvait quand même se permettre, la Muriel Pénicaud, de minimiser l'impact de la réforme en disant qu'il y avait 600 000 seulement personnes qui étaient touchées, alors que l'UNEDIC disait qu'il y en avait 1,2 million. Et Muriel Pénicaud s'est quand même permis aussi de dire que 20% des allocataires de l'assurance chômage touchaient autant d'argent que quand ils travaillaient. Ce qui est complètement faux, il y en avait 4%. Mais ça me fait penser à la même chose à BFM, comme par exemple, qui tire un boulet rouge sans arrêt sur les gens qui ont des allocations, alors qu'il y a
quand même, il faut le savoir, entre 25 et 40%, suivant un organisme qui s'appelle la DARES, de gens qui soit ne demandent pas le chômage auquel ils pourraient avoir droit, soit ne demandent pas le RSA auquel ils pourraient avoir droit. Oui, non, non, mais c'est pas... Donc, c'est divisé pour régler, on voilà, stigmatise les gens pour... Cette soi-disant France des assistés, quand même, tu vois le truc. Et alors, Alain, toi, t'es allé, t'as commencé à travailler sur la retraite. Un petit peu, oui, disons, on retrouve, disons, des choses similaires, hein, c'est-à-dire, on se demande franchement pourquoi Macron veut faire une réforme. Alors pourquoi on se demande ? Parce que le système de retraite, aujourd'hui, il est, sur un plan financier, il est légèrement excédentaire. Hein, donc il y a... Légèrement, 3 milliards ? Oui, quoi. Enfin bon, il y a... Je ne sais même pas si c'est pas plus, mais disons, il n'y a pas de feu dans la maison, quoi. Au point de vouloir, en plus, faire un 49-3, quoi. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi une agitation pareille ? Et on retrouve donc les mêmes problèmes, c'est-à-dire c'est en fait financier, c'est pour faire des cadeaux aux plus riches, et les plus riches aux grandes entreprises, hein, parce que les grandes entreprises, Bernard Arnault lui-même, dans le journal L'Écho, on reconnaît que les dividendes n'ont jamais été aussi élevés et que les bénéfices, les super bénéfices, n'ont jamais été aussi conséquents. Donc voilà, bon, on essaiera de parler un petit peu de ça, j'en parlerai peut-être pas tout seul, mais ouais. Disons, voilà, on essaiera, disons, de comprendre pourquoi. Et je voudrais peut-être, alors, avant, juste dire qu'il y aura une grande manifestation, puisqu'il faut quand même en parler, il y aura une grande manifestation le dimanche 16-10-2022, qui est organisée par la gauche. Hein. Oui. Mais tout ça, de ce que tu es en train de dire sur la retraite, comme pour le chômage, on a un grand mélange des comptes, entre les comptes sociaux, qui sont des gens qui ont mutualisé des sous pour arriver à s'organiser et arriver à avoir un filet de sécurité, hein, et l'État qui, d'un seul coup... S'accapare à la fois l'organisation et le pognon. Tout ça pour arriver, en fait, à rééquilibrer les comptes, parce qu'ils ont fait des cadeaux aux grosses entreprises. Ils ont, excusez du peu, quand même, en 2020-2021, ils ont fait plus de 10 milliards de cadeaux aux grandes entreprises. Donc les comptes sont déficitaires. Donc, en fait, ceci explique cela. C'est voilà pourquoi réforme du chômage, réforme de la retraite. Voilà. Alors, excuse-moi, Denis, c'est à toi. Bon, alors, la question, à ce moment, c'était bon, Napoléon, Louis XVIII et compagnie. Donc c'était le livret A. C'est le livret A qui... Ah oui, c'était ton quiz de la semaine dernière. Voilà, la réponse, c'était le livret A. Donc apparemment, avant, le livret A était indexé sur l'inflation, plus 0,25. Donc il suivait le pouvoir d'achat des Français, il ne baissait pas. Maintenant, ce n'est pas le cas. Donc puisque le livret A était à 2%. Donc si on fait la moyenne de l'augmentation qu'il y a eu dans l'année, donc au mois de janvier, on était à 0,5. Au mois de février, c'est passé à 1. Jusqu'au 1er août. Au 1er août, c'est passé à 2 jusqu'à la fin de l'année, normalement. Donc, on a perdu 4 fois plus. En 2022, on a perdu 4 fois plus qu'en 2021. En 2021, l'inflation était... On avait perdu 1%. Et cette année, on a perdu 4% de pouvoir d'achat. Donc, c'est quand même lamentable, tragique. Et ça impacte tout le monde. Enfin, tout le monde. Tu veux dire que même s'ils l'ont augmenté, de toute façon, on est perdant dans l'histoire. Ah oui, non, c'est du calcul. Hein. On dirait qu'ils nous font cadeau à 2%. Non, c'est pas un cadeau. Hein. Avec l'inflation qui est à 5,5-6%, 2%, c'est... Alors c'est bien simple. Il y a des calculs qui ont été faits. Pour une personne qui est au taquet dans ses placements d'argent sur le livret A, donc c'est 12 000 les poussières, le perd 800 euros, grosso modo, le perd plus de 800 euros de pouvoir d'achat sur l'année. Et quand c'est des associations qui s'y ont placé, alors les associations, c'est une grosse somme. Hein. En fait, ça fait presque 3000 euros de perte de pouvoir d'achat. Donc voilà, on en est là, et encore, on nous fait croire qu'ils sont généreux et que c'est, voilà, qu'ils sont bien braves de nous donner 2%, mais non, non, non. C'est impressionnant, le perte. Et l'État! L'État, du coup, fait des économies, plus de 14 milliards d'euros. L'État, il économise, du coup, sur les 14,17 milliards d'euros. Ça représente de manque à gagner, enfin, de manque à gagner pour ceux qui ont des livrets A.
C'est impressionnant. Et c'est une majorité, disons, dans la population, je crois. Ah oui, 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 parce que... Des livrets, quasiment tout le monde a un livret. Ben, je m'en suis l'autre fois, donc, quand je faisais mon quiz, c'est 56,7 millions de Français qui ont un livret. Donc, on est 65 millions, grosso modo, donc voilà, c'est presque tout le monde. Alors, on disait que les Français avaient trois prénoms et un livret. Ah oui, oui, c'est impressionnant. Bon, en tout cas, ne vous faites pas abuser par le gentil Macron qui, soi-disant, va sauver l'allocation chômage ou sauver les retraites. Non, ils sont en train de nous ponctionner. Ou sauver nos économies. Hein ? Surtout qu'il n'y avait pas de... Il n'y a rien à sauver. Le tout, c'est qu'il ne les assassine pas. C'est surtout ça, quoi. Qu'il ne les tue pas. Bon, on verra bien M. Brun. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez. À bientôt. À bientôt.